Bonjour à tous les followers de CGF et nous revoici pour un nouvel épisode du Let's Play de Wildlands sorti en 1992 sur Game Boy. Nous sommes à l'épisode 5 et donc après avoir fait beaucoup de failles au l'épisode 4 sur Jabetland, nous allons au Resist Cup, le galion en forme de tasse de, en tasse de thé. Alors vous allez voir, franchement assez intéressant, et on commence tout de suite par la course numéro 26. Alors, bon, là normalement il devrait un petit peu avoir moins de fail, parce que quand même vous avez vu quand même que l'épisode 4 était quand même assez gratinant en fail. Faudra pas quand même que j'en fasse tout de suite, hein, quand même, ce serait mal. Donc, à savoir aussi que donc c'est le troisième, le quatrième niveau, non, c'est... oui, ça fait cinquième niveau en fait qu'on est en train de jouer. Et après ce niveau-là, il reste plus que deux niveaux. Et donc après, justement, dans trois épisodes, c'est la fin du Let's Play. Et oui, déjà, c'est rapide, hein, n'est-ce pas? Parce que quand même, quand on sort un épisode par semaine, ou deux épisodes par semaine que j'ai fait au début, c'est quand même assez rapide, mais justement, ça vaut le coup. Alors là, je sais pas comment on fait, parce que là, je sais qu'il y a une liste qui a un truc secret en haut. Il me semble que c'est un trésor qui se trouve là-haut. Si je me trompe pas, je lui ai dit que si je me trompe pas, je suis pas sûr. Alors là, je suis en train de le faire en direct, je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait. Il me semble que c'est un trésor ou une pièce secrète. Ah là là, c'est pour un trésor ça. Ça, je sais que c'est pour un trésor. Voilà, faut éviter ces gros trucs parce que c'est hyper traître. Hein. Ces boules sont hyper traîtres. Et donc là, justement, c'est un petit trésor. C'est une énigme pour trouver la clé du trésor qu'il doit trouver par là. Qu'il doit trouver en haut, je crois, qu'il doit trouver là-bas, je crois. Voilà, là, et l'entrée, il y a la clé du trésor qui se trouve après un petit mécanisme, mais que je ferai justement dans le dernier épisode, comme je vous ai dit. Le dernier épisode, ce sera l'épisode trésor et fin, je l'avais déjà dit. Donc on revient, et on meurt pas si possible, ce serait bien. Voilà. Ah non, c'est pas possible. Ouh, je suis pas mort, parce que là, justement, là, vous avez failli voir la première mort de l'épisode, mais non, j'ai pas envie de faire de mort, ce serait dommage. S'il y avait un épisode avec Mel, pour une fois, ce serait un épisode avec Skill, ce serait super. Alors, nous y sommes, nous continuons. Voilà, on ne doit pas être très loin de la fin du jeu. Je me rappelle bien, là, c'est les dernières parties avec les crocodiles, que je déteste déjà, parce que... Eh ben voilà. Je m'en doutais. Eh oui. Que ne serait pas un épisode de Wildlands sans une mort, n'est-ce pas? On recommence, course numéro 26. Vous inquiétez pas, hein, si je suis un petit peu plus... un petit peu plus calme qu'auparavant. C'est juste que, justement, je me suis habitué à faire des morts, puisqu'en ce moment, on peut dire que l'épisode 4 s'est gratiné en mort, donc en plus en mort inutile. Bon là, c'est un peu une mort inutile, mais bon, elle est pas... Ça n'a pas trop fait réagir parce que je m'en doutais. C'est des trucs, blasé, on s'y attend, et quand ça arrive, bah, t'es pas étonné, quoi. T'es vraiment pas étonné. Bon bah, voilà, ça arrive. Alors, je me concentre. Voilà. Hop. Voilà, on revient au même endroit. Où j'espère que là, il n'y aura pas un gros coup pour me faire chier. Voilà. On fait pas chier avec un gros coup. Hop, voilà. Et attention, on est presque à la fin du niveau, je crois. Voilà, on est... Là, on prend la pièce, puisqu'on est juste là. Attention. Wow. Ouverture. Et c'est fini. Bon, là, ça va. Ça avait... Bon, il y a eu un petit fail, comme vous avez vu. Mais rien de grave. Donc on va faire le... Ah ben on peut pas faire. Donc on va faire le jeu des pièces pour faire un peu plaisir. Parce que quand même, les mini-jeux sont quand même assez drôles, en tout cas, au niveau des animations. Bah tiens, j'ai fait le point de Titan, donc c'est vraiment marrant en tout cas. Le point de Titan, deuxième saut, le point de Titan. Vraiment, je pense que là, c'est pour me dire que j'ai pas de chance sur le troisième. Le point de Titan, ouais. Bon, celui du 3 Titan, c'est bien. Donc avec une pièce qui se rajoute aux 1172 pièces qu'on a gagnées auparavant, ce qui fait un total de 1173 pièces. Palabada, palaba, 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 palaba. Deuxième niveau. Un peu dans l'eau, donc là ça va être marrant.
puisque Wario dans l'eau est totalement... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Oui, parce que j'avais aussi oublié une info importante. C'est que on peut sortir du niveau en faisant ça. Et donc on revient à la carte du monde. J'avais carrément oublié de vous dire ça. Et là, ça vient juste de me tilter là comme ça, un peu surprenant en faisant ça en fait. Alors là, faut attendre parce que même si on a la... Voilà, je m'en doutais. Voilà. J'ai par là-haut pour éviter de me faire tuer par un truc à la con. Ouf, allez. On a deuxième partie du niveau. Deuxième partie du niveau. Je me concentre. Voilà. Deuxième, troisième machin. Voilà. Là-haut, on a un trésor. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est essayer de finir ce niveau sans mourir. Ce qui n'est pas le plus facile, hein, je vous le dis, mais... Qui n'est pas le plus difficile, donc... Voilà, vous pouvez avoir ça, par exemple. Là, on a une culture en faisant ça. On continue. Voilà, encore un truc à gagner. Il y a beaucoup de trucs à gagner, c'est ça qui est intéressant. Ce jeu est vraiment assez frais et justement de s'ennuyer parce que franchement, si vous êtes un jeu qui est ennuyant à l'époque, franchement, si vous n'avez pas le succès pour faire un jeu jouable. Et je peux vous dire, ce jeu est vraiment jouable. J'ai jamais eu de soucis à finir le jeu, même si des fois, bah, comme vous avez vu, ça m'arrive des fois de mourir, hein, évidemment. Et c'est pas mal en fait que quand on joue en live, c'est quand même différent avec le jeu qu'on fait par exemple sans stress du direct, etc. Qu'on fait de temps en temps en dehors quoi. Je peux vous dire, c'est vrai que ce que j'ai remarqué rapidement. Et bien sûr, j'ai pas assez de pièces, hein. Ça arrive donc. Voilà, j'ai assez de pièces, maintenant je peux remonter là-haut. Hop, la petite pièce, on y va. Niveau 2, enfin niveau 3 terminé déjà. Niveau 3. C'est pas mal. Donc 5 pièces, c'est joué 1173 pièces, ça fait 1178 pièces. C'était au deuxième niveau, excusez-moi. Donc là, troisième niveau. Vous allez voir que les niveaux sont quand même assez complexifiés depuis la dernière fois. Vous avez vu quand même que justement, les niveaux sont vraiment assez complexes. Il y a quand même beaucoup de lignes, notamment par exemple au niveau des trésors. Les trésors sont plus difficiles à avoir en tout cas dans cette partie là que dans les parties précédentes. C'est-à-dire que dans les parties comme le premier et le deuxième niveau, les trésors sont un peu plus faciles à trouver. Après, par exemple, pour le premier niveau que vous avez eu tout à l'heure, ça peut être que je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Là par exemple, il y a un système qui vous permet de monter là-haut. Vous allez me dire à quoi ça sert. Il faudrait avoir en fait un truc qui permet de monter tout le niveau comme ça, en faisant ça. Alors, je me concentre. Voilà, un, hop, voilà. Et il y en a plus qu'un. Je me concentre. Voilà. Une partie niveau fun comme ça, on est en dessus. Là. Là, il y a une sortie secrète, enfin, il y a un truc secret ici. Là c'est le mini-niveau je crois, voilà c'est le mini-niveau. Je continue. Là, non il n'y a pas encore de trésor, je crois que c'est au prochain. Ah non, raté. En fait je savais que justement ça fait longtemps que j'y vais parce que justement je voyais qu'il y avait un trésor et finalement il n'y en a pas en fait ici je crois. Ah là je suis skillé. Là je suis skillé donc ça va. Justement, j'ai moins peur que celle-là, parce que celle-là j'avais vraiment du problème de skill. Et comme vous avez vu, dans l'épisode 4 en tout cas, j'étais hyper pas skillé. Donc là voilà, hop, tranquillou. Troisième niveau fait des doigts dans le nez, on va dire, assez facilement. Et on va vous faire le niveau bonus des bombes avec la course à 20 pièces. Est-ce que je vais réussir à faire 100 coups? D'après vous. Bam 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 bam. Raté. Bon bah voilà, y'a pas de sans faute. Vous l'avez déjà vu. Oh yeah, je vais faire un bid. Oh la 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 la. Alors on va se concentrer. Ouais. 1
j'adore les têtes de Wario quand elle réussit un... quand elle réussit un tir. Oh, je vois le tout nouer. J'ai réussi. Attends, en troisième. Yes, troisième. Trois. Trois, ce qui fait qu'on gagne une vie, hein. Parce qu'on était à 64, donc on gagne une vie. Donc 19 pièces en plus des 70 pièces, ça fait 1027 pièces dans quelques minutes, ce sera 1200 pièces. Quatrième du niveau, quatrième niveau de ce monde D-Cup. On va voir course numéro 29. Là vous voyez encore c'est un peu différent. Parce que là nous sommes arrivés, nous sommes en train d'arriver sur le canyon. Donc c'est vraiment assez. Et bien sûr je me fais avoir ce propos. Vas-y. Vas-y l'utilité. Là par contre vous voyez quand même ça commence déjà à être assez assez marrant. Puisque les coups sont assez surprenants en tout cas sur cette partie là. C'est que en fait il y a des sorties, il y a des sorties qui sont recommandées, des sorties qui ne sont pas recommandées. Par exemple ici, on va aller là, on va voir quelque chose, c'est-à-dire on va voir qu'un seul bonus. Et normalement quand on va repartir par une porte dérobée. Non même pas, je croyais que c'était là, non mais je croyais que c'était ça et non. Parce que ça fait encore en fait, ça fait hyper longtemps que j'y ai joué. Et c'est normal que certains souvenirs que j'avais auparavant se sont atténués. Parce que vous savez quand on joue à un jeu, les souvenirs que l'on a, des fois sont impérissables, certains sont justement assez difficiles. Attention là c'est une cure entre pièges, puisque si vous allez là, vous revenez. Ah non, vous revenez là, pas là, enfin vous revenez dans un truc spécial, et normalement, voilà, vous avez encore un autre truc. Là, vous pouvez gagner 2 cœurs, bon, c'est pas ça que je voulais lâcher. Je savais qu'il y avait une porte piège, mais je sais plus laquelle. C'est ça le souci. C'est que je sais plus où est la porte piège. Parce que je voulais la montrer, mais alors c'est là la porte piège. Voilà, là c'est la porte piège. Donc vous revenez au tout début du niveau, et c'est très cool, parce que c'est vraiment un truc justement. Qui dit dans ce genre de niveau, c'est que si on veut tout regarder, on va regarder toutes les pièces, mais si justement on regarde toutes les pièces, vous avez possibilité de se faire avoir. Comme exactement là, comme on a vu, on s'est fait avoir puisque justement la porte a emporté bien n'importe quoi. On monte là-haut. Là, on monte là-haut, allez. On monte là-haut. Normalement on doit pas être très loin du milieu du niveau parce que là on a le mini-niveau. Là aussi c'est un truc à se faire avoir puisque on peut également se retrouver dans un niveau comme celui-ci où on a un womp et j'ai pas envie d'y aller. Parce que le womp c'est de la merde. On va aller aux prochaines portes. Prochaine porte qui nous apporte vers la fin du niveau, puisque je crois qu'ici on a la fin du niveau exactement. Donc voilà, on a fait le niveau sans trop de soucis. Donc niveau 4 de ce niveau, de ce monde, terminé. Donc j'ai fait les deux niveaux, on va arriver 8 pièces en plus, qui fait qu'on arrive à plus de 1200 pièces, 1205 pièces exactement. J'adore cette musique. J'adore cette musique parce qu'elle est assez. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tête de boss. Il y a la tête de mort. C'est obligatoirement le boss. Course numéro 30. Voilà, ça a un peu joué la course. Alors là, vous pouvez avoir, en fait, il y a une double raison ici. Pourquoi? Alors, par contre, pas se tromper, c'est ce genre de monde qui est hyper dangereux. Parce que vous les avez vu peut-être au tout début. Mais justement, ils n'avaient pas leur... leur boulet piquant. Ce qui fait que justement c'était beaucoup plus facile à l'époque pour les tuer. Alors là, faut pas se tromper. Voilà, là. Oh non! Oh non, mais c'est abusé là, attendez! Le truc que j'ai fait exprès pour qu'il ne se lance pas, il se lançait quand même, c'est pas normal. Allez, je gagne quoi? Une fleur, ouais. C'est pas inutile. C'est pas inutile. On va monter là-haut. Là, mini-niveau déjà? C'est bizarre. Pourquoi déjà un mini-niveau? Je croyais qu'on était un petit peu qu'un mini-niveau. En fait, la dernière salle est une grande salle. Vous avez plusieurs sorties. Une sortie notamment pour un trésor qui se trouve normalement par ici. Si je me trompe pas, hein, parce que bon, y a
est vraiment un trésor pas très loin. Et ben, il est trésor pas très loin, le plus vieux trou. C'est des petits trésors. Qui, normalement, alors, ici, justement, je vais pas y aller tout de suite. Hein. Parce qu'il y a, en fait, il y a une clé de trésor de l'autre côté. C'est l'autre mât. Parce qu'en fait, là, on est sur les trois mâts du bateau. Et donc, nous allons vers le haut du bateau. Et là, donc, là, nous avons une clé de coffre qui doit se trouver un petit peu plus bas. Et on va le faire un petit peu plus tard, hein, donc je l'ai dit dans le dernier épisode. Et donc là, on monte en haut du mât. Voilà, on devient barbare. On monte le haut du mât. On se concentre. Pour pas faire de fail. Et attention, derrière cette porte, se trouve nul autre que le boss. Vous avez des bas. C'est tout de suite. Et le boss de ce niveau n'est une autre qu'un. Une sorte de gros piaf. Et en fait le principe c'est qu'il sort des. Il sort de ces gros monstres que l'on a l'habitude de tuer, qu'ils ont l'habitude de nous tuer. Et en fait le principe c'est de les utiliser contre lui. C'est-à-dire de les prendre un par un. Et c'est bien fait. Eh non! Je m'en doutais! Je déteste ces monstres parce que ces monstres viennent te chercher à un moment où tu n'aurais pas. Donc on recommence. J'avais dit que ça pouvait arriver. Donc, course numéro 30, toujours. Nous allons nous concentrer pour faire un maximum pour finir ce niveau. Je vous dis pas qu'on va réussir à terminer ce niveau comme il faudrait. Mais en tout cas, le réussir comme je voudrais. C'est super. Hop, je me concentre. Voilà, on va là-bas. Hop. Voilà, on y va. On est encore sorti, normalement on arrive au mini-niveau déjà. Voilà, mini-niveau. Je me concentre. Hop, Wario. Pendant ce temps-là, on monte là-haut. J'essaie de monter là-haut pour être tranquille. Je vais récupérer la fleur parce que la fleur c'est l'élément le plus important pour le tuer. Tout simplement parce qu'il va être plus facile de le tuer en fleur qu'autre part. Autrement en fait. Et je crois qu'on peut pas l'avoir. La fleur se trouve. Raté. Vous avez vu, j'ai totalement raté. On peut y aller en vache, même si c'est pas trop recommandé. Je vais peut-être réussir justement à le battre en faisant ça. Puisque normalement, le principe, c'est de lancer ses progénitures, donc ces genres de monstres qui nous font tuer rapidement. En tout cas, sur ces bâtons, vous avez vu que ces monstres m'ont posé beaucoup de soucis. Vous avez vu, il est en train de nous perdre un vent. Voilà. Et donc là, nous avons un monstre. Hop. Voilà, on lui a envoyé un petit monstre. On va lui envoyer un deuxième. Et. Allez. Où aller. Oui, troisième, c'est bon. C'est bon, on a gagné. On a gagné ce niveau. On a gagné ce boss. Allez. On gagne combien de pièces en tout? 158 pièces! 158 pièces! C'est super! Et voilà! Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un truc? Oh non, on va terminer maintenant! Et oui, 158 pièces qui se rajoutent aux 1205 pièces qu'on a gagné au pouvoir avant, ce qui fait en tout un total en votre niveau de 1363 pièces. Mais, oula, oula, c'est quoi ce truc là? Mais pourquoi on nous envole? Pourquoi je m'envole? Oh. Où suis-je? Je suis dans une sorte de marais? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis dans une sorte de marais. Mais c'est quoi ce bordel? Et apparemment, je peux pas repartir, donc c'est un truc obligatoirement, je suis obligé de rester là. Et oui, puisque c'est le prochain niveau de Wario Land, il s'agit de Parsley Woods, un truc assez surprenant. Et donc ce sera dans le prochain épisode, épisode 6. Donc c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez me suivre sur mon blog, sur Twitter, ainsi que sur le Twitter de la guilde, où vous avez beaucoup d'informations sur les membres de la guilde, différents que Valtou rend public assez rapidement. Donc je le remercie d'ailleurs pour le faire. Et voilà, donc on se retrouve dans quelques jours ou une semaine pour le prochain épisode du Let's Play de Wario Land. Et d'ici là, restez tranquille. C'était TGF. Stay tuned!